What a weird place. For something like this. There you are. Hey there, Baldy. I'm an archaeology major, remember? The shape of it really isn't. I feel like I've seen it before somewhere. This building was supposedly erected millennia ago by the Valkyr themselves. So they actually existed then? Yes. The Valkyr make a sudden appearance in European history. Records say they brought with them incredibly advanced technology. Then one day, their history just ended. I always thought they were just... That's it! I remember now! Remember what, Will? The Dread Nautilus. This structure looks just like a Dread Nautilus. A Dread... Nautilus? You don't know? They're marine cephalopods. And these ruins look just like that shell. Welkin, you can be such... Nothing. Right. Let's take a look inside then. Alicia, I want you to come help Faldio and me look around in... Largo, Rosie, and Isara, you stay here. Be on the lookout. All right. Tell me, Silvaria, do these walls offer an answer to our search? I pray, where sleeps the ancient power? What do you... Valkyr, the whole made pillar of its keeper's keep, kept there... Then it's true. But your grace, how... Worry not. With this, our dream is made. Okay. Ah ouais, donc c'est pas une blague. Which is why there are so many Darksons still working in the... Never knew that. Come to think of... Anyway, that's enough. On en apprend un peu plus sur les Darksons. Ok. I've been looking. Those imps got some strange... What's got you, Rosie? Ain't like... You're foul, Lark. Take some kind of brass to blow up a chunk of turf this... Looks like the Dark Hairs have been bad news for the rest of... What do you... No archaeological proof exists... Look around! How much more...
And it's an unfair generalization to assume that all Darksons cause trouble for us. You saying you don't? Look, it's cause of you people that I... Alright, time out, you two. You stay out of this, Largo! We're on patrol here. You keep squawking, and we're likely to get... You too, kid. You know Rosie's got a temper on her. She wouldn't go off if you didn't talk... I don't believe anything I... Stubborn as mule. Reste plus que découvrir qu'Alicia c'est une descendante des Valkyries et voilà quoi. Say, Valdio? I'm not sure. I wish I could tell you. They're too ancient for me to decipher. Welkin! We're not alone. Who's there? How surprising to find you here. We don't get many visitors. I won't ask how you were able to break in. It's not really important. But you defile this sanctum with your presence. Guys, that's Maximilian. Maximilian? Wait, but he's the enemy commander. Hold it right there! You take one more step and I'll shoot you down, I swear I will! What? Lower your weapon. Your lives are worthless to me, but I do not wish to stain this sacred place with blood. If you are determined to have this confrontation, why don't we settle it outside? Welkin. Welkin? So... You're the brat who's responsible. My compliments for the vassal bridge and the base in Cloven. You quite impressed Jaeger, who is singing your praises, boy. Silvarion, come. Sir. Oh, now's our chance to take out their commander. She's right, Valdio. Let's go! Right. Ouais, il a pas l'air convaincu. Let me catch you.
Un autre ingé et je vais mettre Alicia. Par contre, j'aurais bien mis un sniper aussi, quoi. Et il me faut du lancier, quoi. Bon, on va essayer ce truc là. Ouais, j'aurais peut-être pas dû en jouer. Je veux la mettre dans le truc suivant. D'accord, il y a des trucs comme ça à viser. Putain, j'ai tiré en dessous de la tourette. Dommage. Tank.
Here goes. Yes, I will. Man down, everybody be careful. Bon. Ok. Coucou Ova, excuse-moi, coucou Ova. J'étais à fond dans mon truc, ouais. Comment ça se passe tes vacances? J'ai vu que j'ai bien aimé le snap avant d'être toute rouge, mais il n'y a pas eu le snap après où t'étais toute rouge. Oh putain, je vais la perdre là. Il faudrait voir si je peux la rejouer. Est-ce que. Alors, comment ça se passe tes vacances? Ça se passe bien? Tu profites? Bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais je vais la refaire. Ah, il faut que je me retape les épisodes. Ouais. Ah! Ça, je les ai vus. En fait, qui va revenir complètement cramé. t'es parti combien de temps? 2 semaines, c'est ça? Une semaine? Ah bah c'est bien, ça va être sympa. Bah c'est le but, s'il n'y a pas de monde, c'est moins drôle. 2 semaines, d'accord. En fait, c'est juste que j'ai oublié de sauvegarder, donc là je passe les épisodes parce que je les ai déjà vus. Et je vais sauvegarder juste avant. Voilà, c'est là. Hop. Voilà. Tu reviens le 23, ok. Alors, tu parles de fête, c'est une fête en famille ou tu vas à une fête, voilà quoi. D'accord. Alors voilà, on va le refaire autrement. On va commencer par là, là. Il me faut. Ouais, c'est Al, ouais, le 14 juillet, ouais, ma vie. J'avais pas compris que tu parlais de cette fête-là. Toi. Toi. Voilà. Ici.
Je vais remettre un sniper. Voilà, ensuite on remet c'est con que j'en ai pas plus. Ah merde. Ah merde, c'est dommage ça. On va le tenter comme ça. Parce qu'il bouge, parce qu'il t'empêche de il vient de t'emmerder, ou ils aboient, ou... Normalement les chiens c'est calme, enfin, pour les chiens après. Ouais, comme j'ai pas l'autre, j'ai perdu des stacks. Ok. C'est parti. Allez, Elise. D'accord, t'as pas touché. T'es une grosse noob. Ok. Ah! Mais c'est parce qu'il t'aime bien, ça. Bon, ok, ça t'empêche de dormir, mais il t'aime bien. Ah, t'as touché, toi, c'est déjà ça. Mais attends, il accroupit. Ah. Alors. Hop. Bon, bonne journée, amuse-toi bien, brûle pas trop, fais attention à toi. Et puis profite bien. À bientôt peut-être. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est nul, lui. Alors, ici... On va péter ça, voilà. Pas de soucis, merci. Profite de tes vacances. Ah putain, il est mal mis. Putain de drapeau qui m'a gêné.
je fasse bouger mes snipers aussi. Pas encore fini. Ok. Bon. Faut que je bouge mes snipers, sinon ils vont se faire écraser. Et c'est pas une bonne nouvelle. Sauf que. Je peux pas la. Faut que je la foute là, quoi. Quand même quoi, j'allais dire, hein, il y a ce distance là, si tu loupais. Voilà. Okay. Ah, genre quoi. T'as réussi à le louper là, quoi. Extra shot. Ah! Ah, ça, ça me plaît. Attends, t'as eu un extra shot, mais je peux pas le faire. Ok. Sérieux, vous êtes à côté des mecs, quoi. Vous êtes nuls. Mais alors nuls. Côté-là déjà. Sure.
not slow. Listen closely. D'accord. Si, si, il va tirer à bout portant, petit bâtard. En même temps, t'es qu'à pas foirer ton tir juste avant, toi. Il va faire un second tir. T'es sérieux? Mais il n'y a pas un de vous qui peut y tirer dessus, quoi. Il est en face de vous. Oh putain. Les inutiles, quoi. On va essayer de faire une pierre de goût. Ça a pas touché le mur, mais j'ai tué les mecs, c'est déjà ça. En fait, il faut y aller beaucoup plus que ce que je pensais, quoi. Putain, mais sérieusement, quoi. On descend, voilà. Et le mec, il est devant toi, t'as intérêt à le buter, sérieux.
Ah ouais. Ah. Faut tirer là. Mettre des troupes sur ce tank, c'est une blague. Ah putain mec. Ah putain. Putain, j'aurais bien envie de te laisser crever aussi quoi. Bon bah. Pas le choix, il faut que je la ramasse. Mais donc toi tu sers plus à rien parce qu'en fait il n'y a plus de machin que toi. Est-ce que par hasard tu peux tirer dessus? Ouais, mais tu vois, ça fait zéro dégâts quoi. On va essayer ce qu'ils disent là, le côté. Ouais, je vais tester un truc. De toute façon, ça marche pas. Si tu meurs, tu meurs. If you die, die. Ouais, ils sont beaucoup de trucs là.
raté. Ouais, j'aurais pu te foutre ailleurs en fait. Si je déplace un truc, t'as la voix de ce mec. Putain, mais t'as encore raté quoi, sérieux quoi. Putain, mais il va me tuer au fur et à mesure en fait, vu le nombre d'étoiles qu'il a. C'est ça. Le mec, il est en train de me le tuer à petit feu. Ça va être... Et je peux pas passer leur tour parce que putain c'est relou quoi. Le mec il a 15 étoiles donc... Et je vais il va mourir. Voilà, le mec a utilisé... Putain, sérieusement quoi. Ah. Putain, mais vous êtes à 2 mètres, les mecs, quoi. Putain, plus je laisse que vous, sérieusement, quoi. Allez, Marina, remonte un peu dans mon estime, toi. Toi, au moins, tu m'as rarement déçu.
Bon, tu sais quoi? Hop. Vous servez, mais alors complètement à rien, quoi. Certaines. Je vais virer du lourd comme ça. Ouais. Et en plus, les mecs qu'on me propose sont complètement pourris de chez pourris, quoi. Le mec, il est anti-char, mais la proximité du métal... Énergie au désert. Hey, Salt. Ok. On va retenter. La situation, je la connais, hein. Ça fait trop fois que je la retente. Il leur faut un G de toute façon. Comme ça. Coucou Chant. Comment ça va? Pas trop crevé par hier? T'as fini à quelle heure? Ouais, j'imagine. Il y avait du monde. Une question stupide, ça finit tard, c'est qu'il y avait du monde. Oui, je sais ce qu'ils disent, vu que je l'ai foiré juste avant, je la connais la mission. Alors. Hop. Ah, ça commence, tu commences déjà par foirer. Bonne fête nationale à toi aussi. Bonne fête nationale à toi aussi. Tu reprends à quelle heure aujourd'hui? Comme hier, 15h? Ah, elle a
toucher, c'est déjà ça. 14. D'accord. Ouais, ça te fait des, quand même des sacrées journées, quoi. Oh putain, les mecs, quoi. D'accord. Ouais, t'as quand même une petite coupure de 2 heures entre deux, quoi. Mais après, le reste, c'est que tu sais pas à quelle heure tu finis le soir, quoi. Merci, Marina. Voilà. Voilà. Ouais. En plus, ouais. Laisse en plus, vous aurez du monde en plus par rapport à ça, quoi. Ici, tu me dis un tir. Ici, 2 tirs. On va faire celui-là. Voilà. Bah oui, c'est clair, quoi. Ah oui, t'as toujours... T'as l'entretien... En fait, c'est l'entretien de la veille, quoi. Donc t'as toujours du boulot, même le matin, quoi. Ça, c'est pas surprenant. Putain, il m'empêche de passer, ce con. Allez, mon tour est fini. À leur tour. Ouais, là, c'est oui, la sécurité, les réparations et tout ça, donc il y a toujours du boulot de toute façon. Il va arriver dans leur dos. Ah mais l'autre, l'autre il a pas tiré une seule fois. Putain, le relou, quoi. Il a raté, cool. Une petite roue pour enfant, ah oui. Bon. Ah putain, cette maniabilité. Bah oui, c'est souvent comme ça de toute façon. C'est souvent comme ça. Ça aide. Ça aide.
Puis c'est plus sympa quand tu considères comme une famille tout ça. C'est toujours plus sympa quoi. Voilà, je suis mort. T'es gentil, mais tu me dis que tu peux retirer une seconde fois et tu le fais pas. Oui, bah oui, c'est, j'imagine que c'est, vous êtes tous crevés, mais c'est sympa quoi. Comme vous êtes une famille, tout ça, ça fait un peu pote et tout ça. Bon, déjà, on a calmé ça. De ce côté-là a été fait. Alors la question c'est où est-ce que je peux le foutre celui-là sans qu'il se fasse écraser? Ce qui a l'air compliqué. Il y en a là-bas, ok. Je le vois pas, mais il y en a là-bas. Ok. Ok, t'es devant donc tu vas empêcher de tirer, je vais encore te tirer dessus, voilà. Oui voilà, ils sont jamais laissés sans surveillance quoi, c'est le principe d'être une grande famille. C'est que tu peux avoir confiance dans les autres. Ah oui, ils sont plusieurs à me tirer dessus en fait. Putain, là je vais les tuer en fait. Si je tire, je pense que je les touche eux. Non, c'est bon. C'est pas mal, c'est du tour par tour, donc j'aime bien toujours. J'aime bien le tour par tour. Et la difficulté, elle est quand même là, quoi. Et l'histoire, pour l'instant, est pas mal. Et puis les graphismes, ils sortent de l'ordinaire et tout ça, quoi. C'est juste que des fois, la RNG me rend ouf, quoi. Parce que les mecs, t'es à 2 mètres du mec à tuer et ils tirent à côté, quoi. Voilà, je passe un peu parce que comme c'est la troisième fois que je recommence cette mission, les trucs là je les connais. Alors. Ouais, donc en fait il faudrait que je puisse péter ce truc là, mais. Ouais, eux ils vont me faire chier là. Ouais, j'en étais sûr, il va capturer le camp comme dernière fois. Mais je peux pas faire autrement, ou alors faut que je prenne. Faut que je prenne un scout, c'est que je l'envoie là-bas au début de la partie, voilà. Ouch.
Bon. Toi. Non, tu vas mourir si je tire pas très vite. Ouh là là, elle va bientôt crever, elle. J'ai quasiment mort le truc. Au prochain tour, c'est bon. Ensuite. Non, je voulais pas utiliser ça. Ah, fais chier. Bah, bonne préparation. Il est de côté, je le vois pas. Ouais, c'est ça. Elle est juste là, donc quoi qu'il arrive, je vais me prendre des dégâts. T'es mort. C'est pas grave, je le récupérerai à la fin si c'est le cas. Le but, c'est de me débarrasser des tourelles. Voilà. Comme ça déjà, elles m'emmerderont plus. Toi. Du mortier. Ça n'a pas touché le mur? Non, je crois pas. Bon, j'ai fini mon tour. À lui. Qu'est-ce qu'il disait tout à l'heure, lui? D'accord. Ok. Ah, lui, il va prendre et mourir. Il se repositionne. Ouais. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Bon, par contre, maintenant, ce sniper est visible par le mien. Ah, punaise. Ah, il a pas attaqué celui que je pensais, mais s'il peut rejouer une seconde fois, il m'en tue deux. Trois même. Oui, bah c'est ce qu'il va faire, voilà. Espèce de connard. Voilà, Elise, elle meurt. S'il rejoue encore une fois, il m'en tue encore un.
Ah non, on tire pas sur Marina. Non, c'est bon. À mon tour. Alors, toi, pour commencer. Toi, tu vas me faire le ménage parce que lui me le brise. Hello, mon gars. Foire pas ton tir, Marina. Voilà. Pardon. Merci, Marina. Ensuite. Ouais, il faut automatiquement ce truc-là. Ce qui me pose problème, c'est que... les mecs sont du mauvais côté et j'en ai plus qu'un en vie, là. Et j'ai encore ça à péter aussi. Voilà, comme ça déjà... il a plus de défense. Je vais appeler le médic. Il m'empêche de passer à chaque fois, lui. Voilà. Hop. Et je peux le remettre là. Ok. Il me reste 4 coups. Putain, je vais perdre Hector. Ah putain. Putain, je vais encore galérer, je vais pas réussir. Voilà, on n'en parle plus. Tu me brises un peu toi aussi. Voilà. Je me fais encore tirer dessus par quelqu'un. Elise a été évacuée. En fait, maintenant, je peux me mettre de ce côté-là. Oui, parce que j'ai pété les défenses du char. Donc, je peux me mettre de ce côté-là. Il m'en reste deux. Donc tu fais 550 de dégâts. Ok. Donc tu fais 550 de dégâts et avec le char tu fais combien? Des CP de faire des rappels, je me souviens plus. Oui, ça coûte des CP. Ok. J'ai oublié les canons arrière.
Ah putain. Il va effuyer mon autre lance-missile là, voilà. Voilà, il me la tue. Ok. Bon, toi maintenant. 18, putain, t'es sérieux quoi. Est-ce que je peux aller retaguer le truc? Ensuite, voilà, on n'en parle plus. Ensuite, il faut que j'avance tous les autres. Ah bah voilà. Ah, je suis con parce qu'en fait j'aurais dû profiter de mes étoiles pour faire du rapatriement. Ben voilà, je vais en rapatrier deux. Hop. Voilà. Voilà, donc là il va sortir automatiquement ses radiateurs. Je pourrais tirer dessus. À moi. Here we go. C'était ça que je veux tirer. Mais j'ai un peu peur que avec l'escalier. C'est bon, je touchais. Hop. Je l'ai mis à 200.
down. Allez, encore un coup. Ah, oh, tu l'as raté, sérieusement. Ah, il me reste combien d'étoiles? 3. Donc, c'est-à-dire que je peux rejouer une fois ça et une fois l'autre. Ça fait qu'il en reste 2. Ok, là j'en suis arrivé là tout à l'heure et j'ai recommencé à ce moment-là parce que j'avais pas compris le truc. Ok, là c'est bon. Je sais pas encore, il commence à faire chaud donc je vais essayer de faire une salade ou un truc dans le genre. Mais en fait, ça veut dire qu'il faut que je me plaque quand même pour faire chauffer les pâtes ou si je vais faire une salade de pâtes. Donc je ne sais pas. Et toi, t'as prévu quoi? Blanc de poulet, sauce crème et pommes de terre. Ah! Ah, sympa, ouais! Ah, ça me donne des idées! Ça me donne des idées! J'ai encore du plan de poulet, ah, je crois que j'en ai encore. Ouais. Bah, j'ai envie de légumes en fait ce midi, donc je vais peut-être me faire des légumes moi. Mais avec du plan de poulet, hein, ça pourrait être sympa, ouais, je crois que j'en ai encore. Le prochain mur est où? Il est là. Bah oui, j'imagine. Alors déjà qu'en plus, moi qui bouge pas autant que toi et qui a pas le même boulot que toi, j'ai déjà du mal à bouffer équilibré et je me dis, toi, c'est encore plus compliqué alors. Voilà. Le mur est tombé, donc maintenant il faut surtout que je les avance pour les positionner. D'avancer le sniper et l'autre parce qu'ils me serviront à un moment ou à un autre. Voilà. Et ensuite l'ingé. Je vais l'envoyer ravitailler les lance-missiles. Allez, passe au-dessus, voilà. Alors, c'est fini pour moi. À lui. Waouh.
Il m'a tiré de où là? C'est que pour l'instant je ne peux rien faire tant qu'il n'a pas sorti le canon. Ouais, pour l'instant je peux rien faire, donc hop. Si, je crois que je vais encore rappeler du renfort au cas où. Je peux en déployer encore deux, donc je vais le déployer à Alicia pour avoir plus de points. Et je vais redéployer un lance-missile. Ah, il a décidé qu'il avançait plus. C'est relou. Peut-être parce que je l'empêche d'avancer en fait. Donc j'allais me foutre ailleurs. Normalement ça lui ferait que dalle. Bingo. Ok, ensuite, bah lui, je vais le foutre autrement. Éviter que... Voilà. Et je vais aller bouger ceux-là. Alors, est-ce que cette fois, mon gars, tu vas te bouger? Parce que là, tu avances plus, donc tu me bloques, en fait. Tu me bloques en partie. Allez, avance! Voilà, il réavance. En fait, c'est ce que je le bloquais sans faire exprès, d'accord. Toi, tu restes là. Qu'est-ce que j'ai comme ordre? J'ai l'évasion. Ouais. Ok. Lui, il est placé. Lui, il est placé. Eux, ils sont placés. On va déplacer celui-là. I'll do my very best.
Hop, voilà. Je peux passer le truc, c'est bon pour moi. Allez, pète le mur, comme ça tes radiateurs sortent et je peux te les péter. Ah, je suis pas du bon côté. Cette maniabilité. Ah. D'accord, t'as tiré à côté. Ok, je vois le genre. Oula. Ok. Alors je vois pas trop comment on pourra s'occuper d'elle. Ah si, c'est Dark Sense. On me focus sur le dernier radiateur, il faut que je fasse tomber celui-là. Voilà. Donc les troupes arrivent. Mon sniper est là-bas. Elle, on peut pas y tirer dessus. Ah, c'est que des mecs quasiment nommés, quoi. Est-ce que mon sniper envoie? Allez, monte! Je vais bien le foutre là, le sniper. Ouais, elle, ça sert à rien, on peut pas y tirer dessus. Par contre, toi. Oui. Sweet dreams. Enemy unit neutralized. Bon, je peux rien faire de plus, moi. Oula, qu'est-ce qu'elle va faire elle? Oh oh. Oh oh. J'aime pas ce qu'elle va faire. Ah putain. Ah putain. C'est un peu cheaté son pouvoir. Ah mais il est mort de chez mort.
Je pensais que j'avais 3 tours pour les sauver. Oh putain! Il s'approche beaucoup lui. Ah putain, j'ai perdu l'argot aussi. Non mais c'est une blague. Sérieusement quoi, putain le mur, oh, putain. Allez. Puis quand les mecs ils peuvent jouer 15 fois, bah. Allez, tu m'en tues un de plus. Voilà. Voilà, un de plus. Bon, bah je peux recommencer la partie. Non mais c'est bon, j'ai perdu, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Bon bah je vais arrêter là, de toute façon je vais me faire à manger. Parce que j'ai faim. Chant, bon appétit, bon repas, et puis bon courage pour cet après-midi. Et puis à bientôt. Bon dimanche à toi aussi.